C'est la 9e édition du Saut BD en 2019, cette année avec une invitée d'honneur, une artiste à cheval sur les arts plastiques et la bande dessinée, Dominique Goblet, qui est une artiste absolument splendide, avec un travail difficile, mais toujours dans l'ordre de la narration, que nous sommes très heureux d'exposer ici. Alors je suis absolument ravie d'être au Saut BD. Il y avait une ambiance magnifique. Moi j'ai fait des rencontres très intéressantes durant les lectures. Et puis je trouve que la rencontre avec le public ici sur le salon est très ouverte, très cool et peut-être plus finalement plus accessible pour le public que dans des cadres plus gros comme on en voit à Angoulême où finalement il est extrêmement compliqué et difficile d'obtenir un moment de rencontre entre auteur et public. Ici, c'est très aéré, c'est doux, ça génère des vraies rencontres avec une vraie qualité de... une qualité pointue. Le pays invité cette année était la Pologne avec un dispositif particulièrement attrayant dont je suis extrêmement heureux. Nous avons deux expositions, une exposition patrimoniale que nous avons fait venir de Cracovie et qui a été montée uniquement avec la collection d'un particulier. Nous avons une centaine de pièces qui retracent 100 ans d'histoire de la bande dessinée en Pologne. La deuxième exposition concerne cette fois des artistes contemporains, 5 artistes exposés. It is very important for us as a group from Poland, group of artists, scholars, curators and activists to be here in Paris with what we can present to the French audience, which are comic books, original panels and the stories about the comic industry and history of Polish comics. So we are very, very happy to be part of Saut BD 2019. Nous avons également, pour la première fois, c'est une nouveauté du Saut BD, engagé différentes publications et notamment la publication d'une histoire de la bande dessinée polonaise. Ce livre a été conçu pour le Saut BD. Ce n'est pas la traduction d'un livre polonais en français, c'est un livre écrit par des spécialistes polonais pour le public français. Par ailleurs, avec notre partenaire, la Galerie d'art contemporain BWA, nous avons produit un catalogue qui a pour vocation la promotion de la bande dessinée polonaise et qui présente donc des artistes contemporains polonais et qui est destiné aux éditeurs français de façon à leur permettre d'identifier des artistes qui pourraient potentiellement être édités. Saut BD, c'est le salon qui est né de la présentation des ouvrages, des études, des catalogues d'exposition, des monographies d'artistes. C'est un salon qui est né de la mise en avant des études sur la bande dessinée. Autrement dit, qui s'est développé sur une base savante, mais néanmoins joyeuse, gaie et certainement pas pédante, d'abord de la discipline. Parce que cette présentation de l'aspect savant des études sur la bande dessinée était globalement inexistant de la plupart des manifestations. Alors aujourd'hui, le salon s'est développé avec des éditeurs, des auteurs qui sont là, mais il conserve dans son ADN ce noyau des études et de l'approche de la savante de la discipline. Et non seulement c'est important, mais à ma connaissance, c'est le seul salon à faire ça. C'est le seul salon où il est vraiment question de parler, de discuter, de penser sur la bande dessinée et de la placer dans ses différentes problématiques. Ah oui, c'est mieux bien le SOB d'ailleurs. J'y viens tous les ans, c'est dire. Le Saut BD, c'est aussi deux autres convictions. D'une part, la bande dessinée est un art parmi les autres. Les artistes bande dessinée sont inspirés, travaillent en connaissant
les œuvres des autres disciplines, que ce soit des arts plastiques, de la sculpture, du cinéma, et inversement, les autres arts tirent profit de la bande dessinée, et ceci depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle nous installons systématiquement depuis plusieurs années au sein du SOBD une exposition d'art plastique dont le thème était cette année SOBook, c'est-à-dire le livre, non plus entendu comme simplement un objet qui sert à véhiculer un texte, des images, des dessins, une histoire, mais également en tant qu'objet, en tant qu'objet artistique qu'on peut transformer, qu'on peut fabriquer. Deuxième conviction, la France est évidemment un pays de grande tradition de bande dessinée, et d'autant plus quand on la colle à la Belgique, mais en réalité, la bande dessinée existe à peu près partout dans le monde. Sur le SOBD, nous avons cette ambition de faire découvrir au public français la bande dessinée, le 9e art du monde entier, et notamment de pays dont on ne soupçonne pas, dont on ne prévoit pas qu'ils aient une si longue tradition de bande dessinée. C'est le cas de la Pologne cette année, mais c'était le cas des autres pays que nous avons invités les années précédentes. Initiative notable cette année, la rémunération des auteurs en signature. Nous avons mis en place un système conjointement avec les éditeurs permettant de rémunérer les auteurs en dédicace. Donc c'est un problème, c'est une question qui a été soulevée depuis longtemps. Le temps passé par les auteurs sur les salons est important. Aujourd'hui, on sait que les auteurs des bandes dessinées sont dans une logique de paupérisation avec une difficulté à vivre de leur travail. Et donc ce temps passé dans les salons pouvait légitimement demander une rémunération. Nous avons proposé aux éditeurs du salon un système simple de rémunération dans lequel nous apportons une partie de cette rémunération, nous organisateurs du salon, et les éditeurs apportent également un complément de rémunération. Donc cette proposition a reçu un accueil très favorable et a pu être mise en œuvre pour une cinquantaine d'artistes sur le salon. Thank you.